un designer qui a un nouveau concept de mobilier pour sa prochaine collection va pouvoir venir chez nous à la Tour du Pin et bientôt on espère aussi à Paris et utiliser le nouveau logiciel qui s'appelle Pénélope, qui est un logiciel de création de tissage et de couleurs pour pouvoir expérimenter avec nous, se poser des questions sur le tissage, sur le rendu, d'abord d'un point de vue virtuel grâce à ce logiciel, puis ensuite de passer sur les métiers à tisser et d'essayer de créer ce produit et de lui donner vie en live. Donc aujourd'hui, on a des contraintes industrielles qui ne nous permettent pas de le faire directement, mais à partir de 2018, on veut créer ce qu'on appelle un design lab, qui est cet espace de collaboration et de co-création avec les designers, qui permettra de passer directement du logiciel Pénélope à la fabrication d'un échantillon, soit au format A4, soit 1 mètre, pour pouvoir être testé ensuite directement sur un prototype. Le logiciel Pénélope, même s'il est extrêmement fidèle, il a une haute fidélité au niveau de la colorimétrie, au niveau du toucher, on n'a pas la sensorialité. Or, un designer, un architecte d'intérieur va vouloir évaluer la matière également d'un point de vue sensitif, et ça c'est hyper important. Donc le logiciel Pénélope ne nous permet pas de remplacer la sensorialité de nos produits, mais ça nous permet de sélectionner en amont, et de dégraisser si vous voulez le nombre d'échantillons en amont pour pouvoir après se focaliser sur vraiment ce qui a attiré le designer et ce qui va faire partie de son panel de choix. Ensuite, on va le créer et là, se fera le choix final. Dans l'histoire de Ferrari, c'est vrai qu'on avait du mal à parler de nos fils. On a tout cet héritage précontraint, donc un héritage plutôt technique, un ADN de marque centré sur la fiabilité, la résistance de nos toiles, la durabilité, la qualité. Donc là, aujourd'hui, c'est un acquis. Quand on achète du Ferrari, on ne se pose pas la question sur la qualité. C'est un acquis, ça fait partie de l'ADN de marque. On doit pas, c'est même plus quelque chose qu'on a besoin de dire, puisque Mathilde va bientôt fêter ses 30 ans. Mais ce qu'on veut maintenant faire comprendre, c'est qu'à la base de cette toile, il y a le fil. Et le fil lui-même, aujourd'hui, est très intéressant. On l'a vu au Salon de Milan. Beaucoup de produits sont designés juste avec du fil tendu, des tressés. Voilà, il y a une exploration du fil qui est assez récente. Je dirais, ça fait 2 ans maintenant qu'on voit ça. Et le fil est à l'honneur, et puis bah, nous, ça nous fait vraiment plaisir en tant qu'extrudeur de fil. Simplement, c'est un nouveau positionnement pour nous aussi de parler de la phase amont du tissage, en fait.